Alors, vous savez, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est comme je vous disais, les réseaux sociaux, tout ce qui peut se passer dessus, musicalement, artistiquement, c'est passionnant. Et c'est vrai que depuis la sortie d'Encore une fois, il y a beaucoup d'artistes qui, sur TikTok, ont repris la chanson et se sont appropriés la chanson avec une version parfois très originale, parfois très sympa. Est-ce qu'on va en voir un extrait ? Oh, on n'a pas l'extrait. Ben, il faut qu'on voit un extrait. Ah, mais si, Vivien ! Vivien, vous allez me trouver un extrait ! Ben, trouvez-moi, montez-moi ça pendant qu'on va recevoir une jeune artiste qui a fait un truc sur TikTok qui était formidable sur cette chanson, encore une fois. Du coup, on lui a demandé si elle voulait passer nous voir et peut-être faire un petit bout de chanson. Voilà, donc elle s'appelle Rebecca. Bonjour. Salut. Bienvenue, merci Rebecca. Beaucoup. On ne se connaît pas, on s'est vu tout à l'heure en coulisses, c'est la première fois qu'on se rencontre. On a trouvé vraiment super la version que tu as faite. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on la voie. Si Vivien peut arriver à la charger, qu'on puisse voir ce que tu as fait sur cette chanson. Bon, sinon, ils peuvent aussi aller sur ton site. Ils peuvent aller sur Instagram aussi, voilà. Sur TikTok. Voilà, c'est Rebecca.officiel. Rebecca.officiel. On ne peut pas faire plus simple. Un petit tournesol. C'est bon. Oui, c'est ça. Il est en train de nous la montrer à nous. Et nous, on s'en fout, on l'a déjà vu. Je connais aussi. Hein. Donnez-le-moi, Vivien. Ah, Vivien, vous savez, Vivien, il est quand même tous les jours à la Starac. Hein. Venez, Vivien, venez vous asseoir là. Venez vous asseoir là. Vivien, venez vous asseoir là. Alors, vraiment, moi, je suis d'habitude en coulisses. Vivien, expliquez-moi ce que vous faites à la Starac. Il m'est arrivé d'aller avec un artiste. Hop, ça c'est la vidéo de Rebecca. Comment je fais pour la remettre au zéro ? Elle se laisse remettre à zéro, elle tourne en boucle. Elle tourne en boucle pendant une heure. Venez serrer là-dessus. Bonsoir. C'est vachement bien, hein. C'est super. Moi, je trouve ça très chouette. Et ce qui est très chouette, c'est que, oui, il y a des variations de mélodie un peu, oui, mais ça donne une couleur. Et le beat derrière, il est très intéressant. Il est éloigné d'une autre, mais il a vraiment un truc, oui, très intéressant. J'ai la chance d'être bien entourée pour composer, produire, tout ça, donc c'est cool. Tu travailles avec une équipe déjà ? Je ne travaille pas avec une équipe, je suis toute seule, mais je suis entourée de notamment mon petit ami qui fait de la musique aussi. Très bien. Et qui m'accompagne beaucoup dans ce que je fais et qui m'a aidée aussi pour faire ça. Et tu es sur Logic ? Voilà, justement, j'apprends Logic pour pouvoir arranger mes titres parce que je suis en train de composer, d'écrire, je voudrais sortir mes titres. Voilà. Et du coup, Logic, c'est indispensable aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un logiciel accessible, facile, avec lequel on peut arriver à faire ses propres prods. C'est juste extraordinaire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a en fait tout à notre portée, donc plus besoin de démarcher toutes les maisons de disques. Juste, on va sur notre compte Instagram, on poste, et on poste, et on poste, et on poste jusqu'au jour où ça éclate. Voilà, bien sûr. Et c'est, voilà, bah, en tout cas, des choses comme ça. En tout cas, nous, en tout cas, ça nous a fait hyper plaisir. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de chanter la chanson avec toi, si on la sent. Qu'est-ce que tu penses ? On va faire ça. C'est bien ? On va faire ça. Tu veux le texte ? T'as le texte ? J'ai la petite anti-sèche. Tu peux le prendre. Hein. Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis... Ah oui, c'est moi, c'est toi qui étais faire le début. Ah oui, j'ai merdé. Rien depuis tout à l'heure. Ah oui, elle me regarde. Elle me regarde désespérée. Mais oui, c'est toi qui fais le début, disais, pardon. J'espère qu'il va pas me faire faire la suite. On fait un duo et puis il y a que moi qui chante en fait. Vas-y. C'est pas grave, commence. Vas-y, bien sûr. Lorsque l'amour est tombé par terre, on croit mourir mais on survit. Dis-toi, tu as fait une affaire, vu que mon cœur a déjà servi. Si tu savais, je suis moins naïf qu'hier, et pourtant je t'aime aujourd'hui. Comme si t'étais la première, c'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie. Encore une fois, encore plus fort,
on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois, encore plus fort. Marqué par nos histoires anciennes, on prend celle-ci comme un cadeau. Dehors on sait qu'on n'est plus les mêmes, dedans on reste les ados. C'était si beau. Le long de la Seine, des couples poussent des landaux. Rien ne presse, je caresse ton dos. On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois, encore plus fort. Merci Rebecca. Merci à toi Patrick. Merci beaucoup, c'est très cool. Bonne chance pour tout. Hâte d'écouter tes compos. Est-ce qu'il y a déjà des compos à toi sur ton site ? Elles n'y sont pas encore, mais dans quelques semaines, je commence à sortir mes premiers titres. Donc, un premier titre en décembre. Super. Et les prochains qui suivent en début 2023. Ok, Rebecca, officielle. Rebecca. Voilà, donc ça c'est bien. Voilà, comme ça. Merci beaucoup. Bonne chance pour Merci. Tout. Un bisou. Un bisou. À bientôt. Ciao. Merci. C'était chouette, vraiment.